Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de Amour Secret, High School Life. On revenait donc de chez Ambre, on est donc retourné au lycée, la soirée avec Ambre s'est passée, tout ça, tout ça. On a eu un petit moment très sympathique avec Nathaniel et bah voilà. On a découvert que ses parents, c'est pas trop ce que c'est, quoi. Enfin, on s'en doutait déjà, mais bon. Là, ça s'est confirmé. Là, je pense qu'il faut qu'on aille parler avec de la population. Promène-toi dans le lycée, tu pourras faire une rencontre inattendue. Ah, quelle est cette rencontre? On va commencer tout de suite, hein. Je me pose des questions. Quelle est cette rencontre? Tu comptes me dire ce que tu allais faire chez Zan? Je ne peux pas en parler pour l'instant. Tu sais que tu peux me faire confiance pourtant. Désolée Rosa, peut-être plus tard. Ouais. Oh. C'est bien que t'aies fait la paix avec Anne. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, je vous ai juste vu arriver ensemble ce matin. Tu te fais des idées, Iris. Ouais, je confirme. Tiens, tiens. Ah, tu tombes bien, toi. C'est à moi que tu parles? Il n'y a personne d'autre aux alentours que je sache. Peut-être, mais moi je n'ai pas envie de te parler. Elle est partie avant que j'aie eu le temps de demander où était Ron. J'espère que tu sais dans quoi t'as mis les pieds, petite. De quoi tu parles? De toi et de la Barbie à deux balles. Je sais pas ce que vous trafiquez et je crois que je préfère pas le savoir, mais fais gaffe à toi. Tu peux être sûr qu'au moment où tu verras, où tu le verras pas venir, elle te jouera un sale coup. Merci, Kim, je m'en rappellerai. Bon sang, tout le lycée nous avait arrivé ce matin ou quoi? Salut, Mélodie. Bonjour, ça va pas? C'est juste que, enfin, je t'ai vu arriver au lycée avec Nathaniel. J'ai dormi chez lui, oui. Alors, vous, tous les deux, vous êtes... Oula, non, ne va pas t'imaginer tout et n'importe quoi. En fait, c'est Ambre qui m'a invité. Tu passes du temps avec Ambre? Je sais, c'est difficile à croire. Pas tant que ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Allez, je vais me la faire, celle-là. Elle est déjà partie. La connasse! Ah, je l'aime pas, hein! Mélodie, mon dieu! Elle fait grave notre pote et tout, mais c'est une vraie saloperie celle-là aussi. Elle aurait dû se casser avec des bras en fait. Ça aurait été mille fois mieux, tiens. Une rencontre inattendue, c'est pas des rencontres très inattendues, hein. Alexis et Violette sont là tous les deux. Ça a vraiment une conséquence. Parler à Alexis. Je savais pas que tu avais de nouveaux amis proches. Si tu parles d'Ambre, ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce qui se passe alors? Excuse-moi, il faut que j'y aille. Pour voir Ambre? Eh bien, c'est bien ce que je craignais. Eh, c'est bon, vous savez même pas pourquoi, quoi. Vous savez que généralement, notre secrète, elle fait jamais rien pour rien. C'est fou ce que tu te déplaces vite. J'ai eu un mal de chien à te coincer. Eh, pourquoi voulais-tu me coincer? Tu crois peut-être que je ne t'ai pas vu arriver au lycée en compagnie d'Ambre et de notre cher délégué en chef? Je ne vois pas ce que ça a d'extraordinaire. À d'autres, avoue-le, t'as passé la nuit chez eux. Pourquoi est-ce que tu étais là-bas? Si elle croit que je vais parler, je suis pas prête d'oublier le rôle qu'elle a joué quand Debra est revenue au lycée. Hors de question que je lui fasse ce plaisir. Crache le morceau. En plus, Nathaniel m'en voudra à mort si je parle à Peggy. Avec elle, tout se sait. Dis au moins un mot, parce que là tu commences à me faire peur, à rester complètement silencieuse. Trois mots. Au revoir, Peggy. Vraiment très drôle. Elle m'a carrément barré le passage. Peggy, le droit d'informer ne t'autorise pas à me retenir en otage. Tu sais que je n'arrêterai pas de chercher, alors autant me donner toi-même des infos, tu ne crois pas? Puisqu'elle insiste, je devais remettre sur une fausse piste, et elle ne gobera jamais l'excuse de ma prétendue amitié avec Rome. Alors, en fait, on me paye pour que je lui fasse ses devoirs. Ça tient, après tout, tu as bien réussi tes examens. Elle aurait tort d'en s'en priver. De s'en priver, c'est aller les moyens. Mais pourquoi ne pas avoir directement demandé à son frère, qui est encore plus calé que toi? Elle ne veut pas que ses parents sachent qu'elle demande de l'aide à Nathaniel. Un complexe d'infériorité, sans doute. Oh, un complexe d'infériorité, ça ne lui ressemble pas. Tu sais, Peggy, les gens sont peut-être plus compliqués que ce que t'imagines. Admettons que je te crois, ça ne justifie pas que tu sois carrément resté dormir chez elle. Si Anne ne recopie pas mot à mot les devoirs que j'ai fait pour elle, les profs risquent de reconnaître mon écriture. Et comme elle ne voulait pas recopier tout d'un coup, je suis restée chez elle pour travailler. Et elle écrit au fur et à mesure.
Il était tard quand on a fini. Mes parents et ses parents m'ont proposé de rester dormir. Faut croire qu'ils sont moins effrayants que ce qu'ils paraissent. Ouais. Bon, ça ira pour cette fois. Mais si j'apprends que tu m'as menti, crois-moi, je ne te rendrai plus jamais le moindre service. Sauf si tu y trouves ton compte, comme d'habitude. Elle me gave, cette meuf, c'est incroyable. Ah, enfin, je te retrouve! Tu peux pas me lâcher la grappe un peu? J'ai déjà supporté de passer une nuit avec toi, c'est bien assez pour toute une vie. Il faut que je te demande quelque chose. Et en quel honneur faudrait-il que j'accepte encore de t'accorder de l'attention? Parce que ça concerne ton frère et que c'est important. J'aurais dû m'en douter. Nah, Castiel, il te les faut tous. Tu n'as qu'une chance, ni avec l'un ni avec l'autre. Mets-toi ça dans le crâne. Mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est beaucoup plus grave. Bon allez, pose-la ta question. Qu'est-ce que t'as pensé de la soirée d'hier? Tout ça pour ça? Ouais, mais pas la peine de me dire à quel point ma présence est indésirable, ça, je le sais déjà. Et encore, t'es loin du compte. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que t'as remarqué quelque chose d'anormal? Entre ton frère et ton père, par exemple? Non, pas plus que d'habitude. C'est-à-dire? Les pères sont toujours plus souples avec leurs filles, c'est bien connu. Mais à part ça, rien d'autre? Je sais pas vraiment ce que tu cherches à prouver, je sais quand même ce qui se passe chez moi. Apparemment pas. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien du tout. J'ai continué à me promener dans le lycée, j'ai vu une silhouette familière s'engouffrer dans le gymnase. Faut que j'aille voir. Mon dieu, qu'est-ce qui va se passer encore? Et voilà la plus belle, si je m'attendais à te croiser dans les vestiaires. Dec, comment ça se fait que tu t'en viens? Oh non, pas toi. J'ai déjà assez de soucis en tête, en plus de devoir le gérer celui-là. Je n'ai pas résisté à l'envie de rester pour te parler encore un peu. Écoute, j'ai d'autres soucis en tête là tout de suite. Je pourrais très vite te faire oublier tous tes soucis si tu me laissais faire. Vous ferez mieux de vous en aller maintenant. Vous avez vu le lovomètreur, il est en jaune. Genre il me surkiffe. Encore toi? Mais tu suis fan d'Aiko partout ou quoi? Il se trouve que je suis là pour elle si elle, si elle a besoin de moi. Ouais, ça bug. Super. J'ai pas envie de double clic parce que j'aimerais bien lire quoi, j'aimerais pas faire une gourde. Oh, je sais pas si ça a mis du son tout le long du jeu, attendez je vais vérifier. Y a l'air, je sais pas si vraiment il y a le son du jeu, j'espère pas franchement. Mais bon, enfin bref. Au moins nous aurons passé un moment tranquille au centre commercial, pas vrai ma belle? C'était le hasard. Apparemment vous êtes plus proche que je ne le pensais. Pas exactement, on est juste tombé l'un sur l'autre comme à chaque fois qu'on se voit. Parfois le hasard peut être forcé. Personnellement je dirais que quand le hasard s'acharne, on peut appeler ça le destin. Il a l'air de s'amuser un peu trop, je ferais mieux de calmer le jeu avant que ça ne dégénère. Excusez-moi. Dec, je suis désolée mais j'ai des choses à faire, tu devrais y aller. T'es sûr, si tu veux je peux me débarrasser de lui. Fanaiko n'a pas besoin de vous pour ça, contrairement à vous, je ne lui impose pas ma présence si elle n'est pas souhaitée. Dec, s'il te plaît. Comme tu voudras, Fanaiko. Je suis sûre qu'on se reverra bientôt. Plus tard, ouais. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi vulgaire. Mais non, il est juste déterminé. Je ne crois pas que ce soit une excuse suffisante. Allez, go, on va se balader. Tu sais, ce n'est pas bon de tout garder pour soi. Hein? Pourquoi tu me dis ça? Tu n'as pas l'air bien aujourd'hui, t'es pâle, t'as l'air très tiré, je ne parle même pas de ta combine avec Ram. Je n'ai pas de combine avec Ram. Ne te fatigue pas, j'ai saisi que tu n'as pas envie de m'en parler. Mais peut-être que tu pourrais te confier à quelqu'un d'autre, je suis sûre que ça te ferait du bien. J'y penserai. On va se confier à Lisande, c'est sûr. Elle a raison après tout, c'est trop lourd à porter cette histoire. Il faut que j'en parle à quelqu'un de confiance. Lisande. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, je suis rentrée chez moi à la pause déjeuner. J'en ai profité pour me changer. Ok, ok. Et donc, il y a une tenue. D'accord. Ok, 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 ok. Lisant, dans mon humble avis, je pense pas que ce soit celle-là. Je pense que ce soit celle-là. Elle est très jolie, la tenue. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'achète cette tenue, mais je la porterai plus tard. Je garde quand même mon look. Elle est très jolie. Cette tenue-là est vraiment jolie, je trouve. Ok, je n'ai plus qu'à chercher Lisant maintenant. Il était dans le gymnase, peut-être qu'il y a encore, non? Non. Tiens, voilà Castiel. T'as un problème? Tu veux répondre quoi à ça?
Non, non. Tu sais que je vais pas chercher à tirer les vers du nez, hein. T'inquiète, je ne tiens pas à ce que tu me tires les vers du nez. Ah, c'est toi, Quentin. Tu vas bien, Fanaiko? J'ai connu des jours meilleurs. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Je ne peux pas t'en parler, désolé. Oh, rien, ça finira par passer, je crois. Ah mince, t'es sûr? Tu es peut-être malade, tu devrais rentrer chez toi te reposer. Non, non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Gentil. Fanaiko! Tu m'as fait peur. Peut-être que tu as des... Peut-être que tu as... Peut-être parce que tu as des choses à te reprocher. Mais non. Je t'ai vu courir partout dans le lycée. On dirait que tu cherches quelqu'un. Je ne courais pas. Mais tu cherchais bel et bien quelqu'un. Peut-être bien. Si seulement ce quelqu'un avait bien voulu se montrer avant que je tombe sur toi. J'espère que ton petit remue-ménage n'a rien à voir avec ce qui s'est passé chez moi hier. Non. Bien, parce que je te le répète, ça ne te concerne pas, je ne cherche pas à t'en mêler d'une quelconque manière, c'est d'accord? Oui. Merci. T'as l'air tellement ridicule à t'accrocher à Homme. Tu ne le sais peut-être pas, mais tout le lycée se moque de toi. Tu vous le dites. Un conseil, trouve-toi d'autres amis. Il n'y a pas de place pour toi dans notre cercle. Quel dommage. S'en fout, mais vous êtes. Mais vous êtes collés comme des sangsues à mais vous parlez. Quand elle est pas là, vous savez même plus quoi faire de votre vie, quoi. Il y a des jours où j'ai des envies de meurtre. Je ne te savais pas aussi radical. En même temps, sur Bata LOL, à cause de sa connexion, il n'y a plus rien de. Il n'y a rien de plus frustrant. Il y a pire, je pense. Je sais même pas quoi répondre là, franchement. Je m'en fous un peu, quoi. Ah, j'aime bien ce MOBA. MOBA, je sais pas ce que c'est. Tu joues à LOL, toi? De temps en temps. C'est laquelle ta map préférée? Les zombies de meurtre, la forêt torturée? Très bon choix. Ah, tu es là. Tu me cherchais? Il faut que je t'avoue quelque chose. Je savais pas à qui en parler. À qui d'autre en parler? De quoi s'agit-il? Tu sais que j'ai dormi chez Jean, chez Ambre et Nathaniel hier soir. Oui, en effet, votre arrivée n'est pas passée inaperçue. En fait, je me suis débrouillée pour me faire inviter par Ambre pour vérifier quelque chose. C'est à propos de Nathaniel. Continue. Depuis quelque temps, j'avais des soupçons. Je trouvais que Nathaniel en faisait un peu trop pour ses études. Il m'a vite avoué qu'il fait ça pour son père. Pardon. Je crois que ce n'était un secret pour personne. Il est de notoriété publique que son père est plutôt strict. C'est beaucoup plus que ça. Tu te rappelles le jour où je me suis cachée dans les vestiaires pour essayer de voir ton tatouage? J'aurais eu du mal à oublier cette histoire. Excusez-moi. Hop, voilà. C'est bon. Je suis à fond dans l'histoire maintenant. J'aurais eu du mal à oublier cette histoire. J'en rougis rien que d'y penser. Eh bien, ce jour-là, c'est Nathaniel que j'ai vu en travers la porte. Je me rappelle aussi. C'est là que j'ai remarqué que Nathaniel avait des traces de coups sur le corps. Des coups? Mais quel rapport avec son père? J'y viens. Avant de dormir chez eux, j'ai pu vérifier une théorie que j'avais depuis quelque temps. J'ai entendu Nathaniel et son père se disputer. J'ai même entendu un bruit de coups. Ensuite, je suis allée voir Nathaniel et là, il m'a avoué que son père le frappait. T'es bien sûr de ce que tu dis, parce que si c'est le cas, c'est très grave. J'en suis absolument sûre. C'est Nathaniel qui voulait me faire promettre de ne rien répéter, mais je peux pas, c'est trop lourd à porter. Ce serait trop lourd pour n'importe qui. Je sais pas quoi faire, Lisanne. Il faut absolument appeler les services sociaux. T'es sûre? C'est le seul moyen d'aider Nathaniel pour qu'il puisse ne pas affronter son père tout seul, ce qui est compréhensible. Je ne voulais pas en arriver à de telles extrémités, mais là, je crois que j'ai pas le choix. Nathaniel ne ferait rien de lui-même et je peux pas rester sans rien faire. Tu as raison, je vais faire ça. Il est trop gentil, il est trop gentil. Je l'adore. Oh mon Dieu. Et tu n'aurais pas à t'en charger seul, je serai là pour t'aider. Je sais pas comment te remercier. Tu n'as pas à le faire, tu me fais assez confiance pour me parler de cette histoire, c'est déjà beaucoup. Trouve un endroit tranquille pour téléphoner. Peggy, alors quoi de neuf?
Tu veux savoir ce qu'il y a de neuf? Plus je réfléchis et moins je crois à l'excuse bidon que tu m'as servi tout à l'heure. Il y a quelque chose qui cloche. Tu te poses trop de questions. Elle me saoule. C'est mon métier. Peggy, si ça ne te dérange pas, Fanaiko et moi voudrions être seuls. Vous voulez être seuls? Tous les deux. T'es un peu lente à comprendre aujourd'hui. Oula, ses yeux pétillent d'une drôle de manière tout d'un coup. J'ai très bien compris, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Amusez-vous tous les deux. Oula, elle pense qu'on va faire des... Bref. Ok. Je sais pas où, dehors? Peut-être, non? Apparemment pas. Non plus, pourtant ça... Ah, peut-être une salle de classe. Peut-être. C'est trop risqué de téléphoner ici. Les murs ont des oreilles. Je suis bien d'accord, mais va-t-on alors? Pourquoi pas en ville, il y a une cabine téléphonique. Ça existe encore les cabines téléphoniques? Heureusement, il en reste au moins une. Je m'en suis servi plusieurs fois, comme je perds souvent mes téléphones portables. Mes téléphones portables? Ah oui, excusez-nous. Ça me surprend même plus. Ok, allons-y. J'ai suivi Lisandros en centre-ville. Excusez-moi. La cabine n'est plus très loin. C'est vrai que ce n'est pas plus mal de téléphoner d'une cabine. Au moins, personne ne remontera jusqu'à moi. Nous avons encore fait quelques mètres avant de tomber sur la fameuse cabine. C'est moi qui vais passer l'appel. Je crois que tu n'as pas besoin d'endosser une responsabilité supplémentaire. Bon, d'accord. J'espère que... Oh, je crois en plus que c'est le moment de... Je pense que ça doit être bientôt le moment de l'illustration, donc on commence à avoir beaucoup de choix. Je sais pas si je dis d'accord ou que je dois le faire, ça me fait peur. Je vais être d'accord avec lui, je vais pas trop le contrarier. Bon, d'accord. Lisanne a décroché la combine, le combiné et a composé le 119. Il n'a pas eu besoin de pièces étant donné que c'est un numéro gratuit. Tout d'un coup, je me suis ravisée. Attends, c'est à moi de passer ce coup de téléphone, je suis témoin, je pourrais mieux expliquer la situation. Oh, tu as sans doute raison, je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Il m'a passé le combiné. J'ai soudain eu peur qu'il me laisse seul. Mais s'il te plaît, ne t'en va pas. Ce n'était pas mon intention. Je lui ai souri, soulagée. Oh oui, je voulais trop avoir l'illustration juste à cause de la dernière fois. Et je vous jure, ça me reste dans la tête, hein, ça, la pièce de théâtre. Ça m'énerve. Hein. Oh, c'est trop mignon. Il est là pour nous. Oh, mais Lisande, c'est trop le petit chouchou de la vie. Ah, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Elle est trop belle, Lilou, en plus, franchement. Lisanne est restée à mes côtés dans la cabine jusqu'à ce que la conversation soit terminée. Les mains posées sur mes épaules, je dois avouer que ça m'a rassurée. Après quelques minutes d'attente, je suis tombée sur un écoutant à qui j'ai exposé la situation. Bien évidemment, il fallait des preuves. Pour en obtenir, une assistante sociale devait être envoyée chez Nathaniel. Ah, ça va pas lui plaire. Clairement pas. Attendez. Mon rôle à moi s'est arrêté là. Avant de raccrocher, le consultant me précisa que mon identité ne sera pas dévoilée et que de toute manière, un appel au service d'aide de l'enfance était toujours secret. Ok, mais de toute façon, il va se deviner que c'est nous parce qu'il n'y a que nous qui le saurons. En d'autres termes, l'appel n'apparaîtrait jamais sur une facture téléphonique, c'est bien la peine de téléphoner d'une cabine publique. Il m'a envoyé une assistante sociale alors ? Ouais, elle va observer un peu la famille et poser des questions pour en savoir plus. C'est déjà un bon début. J'espère que ça ne tombera pas à l'eau. Même si l'assistante sociale ne trouve rien, cela incitera peut-être Nathaniel à parler de ses problèmes. J'ai envie de dire j'en doute parce que clairement je sais très bien que... Il va pas le dire, mais bon. Peut-être, on va espérer. Si ce n'est pas le cas, je suis sûre qu'on trouvera un autre moyen. Ne t'en fais pas. Ouais, on verra bien. Veux-tu que je te raccompagne? Je t'avoue que je suis pas à l'aise à l'idée de te laisser seule avec tes sombres pensées. C'est très gentil de ta part, allons-y alors. Il est mignon, j'adore les hommes trop choux. On va aller dans le parc, allez. La journée a été dure. On peut dire que cette journée a été éprouvante. C'est le mot, j'ai hâte que tout ça soit derrière nous. La procédure prendra sûrement un peu de temps, il va falloir être patient. Malheureusement, ouais. Je suis désolée mais il faut que je te laisse, Le temps que je rentre chez moi, il fera sûrement nuit. Ok, à demain alors. Merci de m'avoir accompagnée. C'est un plaisir, à demain. Il est trop chou.
Une fois arrivée dans ma chambre, je me suis posée sur mon lit pour faire le point. J'avais fini par agir. Et même si ça me faisait mal, au moins je n'avais pas été seule sur le coup. J'ai bien fait d'en parler finalement. Bonsoir ma chérie. Bonsoir maman. T'as l'air préoccupée. Non, c'est juste que le rythme des cours est difficile, on a beaucoup de travail à faire. Si ça c'est pas le mensonge du siècle ça, je me suis rarement sentie aussi peu concernée par le travail scolaire. Ça ne serait pas plutôt ce garçon qui t'a raccompagné ce soir le problème? Je me rappelle bien de lui, on a eu l'occasion de le voir à la journée porte ouverte. Non mais, comment tu sais qu'un garçon m'a raccompagnée? J'ai entendu des voix près de la porte d'entrée, j'ai pas pu m'empêcher de regarder par la fenêtre. Ah, oh, eh bien non, ce n'est pas ça le problème. On avait juste envie de discuter. Oui, j'ai eu ton âge, tu sais. Tu pourrais m'en dire un peu plus quand même. Maman, il n'y a rien à dire. Écoute, je dois faire mes devoirs. J'ai compris, je te laisse tranquille. Mais sache que tu peux me raconter si besoin. Je le sais bien. Je crois que je suis restée un peu trop pensive pendant le reste de la soirée. Mes parents ont bien vu que quelque chose n'allait pas, mais ils n'ont pas trop insisté. Ça va, c'est ce qu'il faut de toute façon. Quelques jours ont passé et à voir le comportement de Nathaniel, rien ne s'est encore produit. Petit à petit, je me suis détendue et c'est le cœur plus léger que je me levais le matin pour aller en cours. Et c'est là, se fait défoncer. Toi. Oh, c'est pas vrai, elle va jamais me lâcher. Je suis sûre que tu étais au courant de tout. Mais de quoi tu parles? Nathaniel et ses parents ont été convoqués par la directrice ce matin. Ils sont encore dans son bureau et je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi exactement, mais ça n'avait pas l'air bon du tout cette histoire. En tout cas pour Nathaniel. Toi, par contre, t'as l'air aussi réjoui qu'un enfant au jour de Noël. Quelle saloperie. Alors, tu as enfin décidé à m'en dire plus maintenant que tout va finir par savoir. Non, elle me saoule. Faut absolument que j'aille jeter un œil à ce qui se passe. J'ai le hoquet, ça me saoule. Pardon. J'entends des gens discuter dans le bureau de la directrice. Je reconnais cette voix. Je crois que c'est... Hé hey. Ah, tu es là. Je n'arrive pas à croire que tu sois là à rôder pour écouter au parc après ce que tu as fait. Nathaniel, écoute-moi, ce que j'ai fait, c'était pour toi, pour ton service. Je t'avais dit de ne jamais parler de ce que tu as découvert, mais bien sûr, ça a été plus fort que toi, et cette fois, tu es allé beaucoup trop loin. À cause de toi, les choses sont encore pires qu'avant. Les services sociaux ont débarqué chez moi, et maintenant, même le corps enseignant s'en mêle. Nathaniel, tout ça, c'était pour t'aider, il fallait que quelqu'un agisse. Tu n'es qu'une idiote, je t'avais dit que je n'avais pas besoin d'aide. À cause de toi, mon père risque de perdre tout ce qu'il a, t'imagines s'il allait en prison? Je n'ose rien répondre. Ambre est bouleversée, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et ma mère refuse d'adresser la parole à mon père, comme s'il lui faisait honte. Il était temps qu'elle réagisse, elle aussi. Ou plus heureux que sa mère. Tout ce que je voulais, c'est arranger les choses. Bravo, encore une fois, t'as vraiment réussi ton coup. Sans preuve, les services sociaux ne feront rien de toute manière. Et je peux t'assurer qu'ils ne trouveront rien. Nathaniel, viens, on s'en va. Visiblement, madame la directrice n'a plus rien à dire. Le père de Nathaniel a posé les yeux sur moi. Si le regard pouvait tuer, je suis sûre que je serais aussi déjà 6 pieds sous terre. Ils sont partis avec la mère de Nathaniel en me laissant planter là. Complètement sonnée. Mes joues sont trempées de larmes. Les paroles de Nathaniel m'ont tellement choquée que j'ai du mal à respirer. Je sais pas. Ah, les vestiaires, à mon avis. Généralement, si c'est pas quelque part par là, c'est les vestiaires. Bingo! Je me suis laissée glisser au sol, incapable de tenir debout plus longtemps, ou de retenir mes larmes. J'étais sûre que personne n'avait vu la scène, mais... Fanaiko, j'ai relevé la tête surprise. Oh, dites-moi que c'est Lisande, on a trop besoin de Lisande cette fois, là encore. Lisande, qu'est-ce que tu fais là? J'ai assisté à la scène, je ne pouvais pas te laisser seule après ce que j'ai vu. Nathaniel a eu raison, je n'aurais jamais dû me mêler de cette histoire, j'ai causé trop de mal. Non, c'est toi qui as eu raison. Nathaniel est bien trop en colère pour s'en rendre compte, mais il finira par changer d'avis. Mais ce qu'on a fait a servi à rien. Avec son père, ils vont tout cacher aux services sociaux. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est envenimer les choses entre eux. Je suis persuadée qu'il est assez intelligent pour réaliser qu'il a eu tort. Il faut juste un peu de temps. Je sais pas, je voudrais n'avoir jamais découvert tout ça. Dis pas ça, Nathaniel avait besoin d'aide et tu as eu le courage de faire ce qu'il fallait. Alors, tu penses vraiment qu'on a eu raison? J'en suis intimement convaincue. Et sache que s'il revient s'en prendre à toi, je serai là pour l'empêcher. Lisande, je... Ne sois pas triste, tu peux être fière de toi, Fanaiko. Et je l'épouse, ce mec. Il est tellement chou. Oh là là.
On va vraiment aller en parler aux autres là de ça? Pourquoi tu ne m'as pas parlé de tout ça? Que t'as tout entendu? Je passais dans le couloir quand Nathaniel t'a crié dessus. Ensuite, je t'ai suivi pour en parler avec toi, mais quelqu'un était plus rapide que moi apparemment. À partir de ce que j'ai entendu, il n'était pas trop difficile de recoller les morceaux de l'histoire. Écoute, Rosa, je voulais en parler le moins possible après ce qui s'est passé dans l'affaire des bras. Je voulais pas prendre le risque que tout le monde se retourne encore contre moi. Tu rigoles là, j'espère. Tu as déjà oublié mon rôle dans l'affaire des bras? J'ai été la première à te soutenir. Oui, on se doute, mais bon. Tu as raison. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je crois que je voulais pas que Nathaniel m'en veuille. Mais de toute façon, ça aurait été impossible. Je te fais pas dire, mais d'après ce que j'ai entendu, t'as eu raison. Tu pouvais pas laisser continuer comme ça. Ça me touche que tu sois de mon côté encore une fois. J'espère qu'à l'avenir, tu te souviendras que tu peux compter sur moi. Elle est mignonne, Rosa aussi. Je suis contente de l'avoir comme pote. Elle est cool. Oups, Ambre et ses amis sont là. Je comprends pas. Qu'est-ce qui est si terrible pour que tu ne veuilles rien dire? Ça te ferait peut-être du bien d'en parler. Il n'y a rien à dire, ok? Laissez-moi maintenant. Ambre. Puisque vous ne comprenez rien, c'est moi qui m'en vais. Ambre a tourné le dos à ses amis et se dirige vers la porte. Oh non, elle va me voir. J'ai voulu m'enfuir, mais j'ai trébuché sans trop savoir comment. Cette meuf, c'est incroyable. Ambre m'a regardé avec les yeux humides avant de partir au pas de course. Pour un peu, je me sentirais presque aussi mal que lorsque Nathaniel m'a traité d'idiote. Tu m'étonnes. Mais oui, Nathaniel, il devait me rejoindre pour parler des conseils de classe. Elle est au courant de rien, c'est pas plus mal. Tu ne saurais pas où il est, toi, par hasard? Non, j'en sais rien. Après tout, c'est vrai, je ne sais pas où il est. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas au lycée. Puis de toute façon, même si je le saurais, je ne te le dirai pas, grognasse. Il y a une drôle d'ambiance au lycée aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Tu l'as dit. J'ai vu Nathaniel sortir du lycée avec ses parents tout à l'heure. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. Ils avaient l'air tous très contrariés. J'espère que ça va aller pour eux. Oh, ne t'inquiète pas trop, Fanaiko. Si vraiment quelque chose est arrivé, je suis sûre que la directrice nous aurait mis au courant. Ou pas. Plusieurs jours se sont écoulés, Nathaniel n'est toujours pas revenu au lycée. Je commençais à devenir un peu parano, imaginant que son père lui menait la vie dure. La vie dure plus que jamais. Et il n'avait qu'une idée, se venger de ce que j'avais fait. C'est sûrement ridicule, mais j'ai peur de tomber sur Nathaniel ou son père lorsque je rentre du lycée le soir. Il n'y a pas de raison, Bichette. Arrête de stresser, il y a du monde ici, rien ne peut t'arriver. Je ferais mieux de presser le pas quand même, j'ai hâte de rentrer chez moi. Fanaiko, j'ai vu une silhouette s'approcher de moi. Ah non, laissez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu t'es fait poursuivi par Freddy Krueger. Je connais pas trop les noms, vous m'excuserez. C'est juste mon imagination qui me... C'est juste mon imagination qui me joue des tours. Moi aussi, ça m'arrive parfois. Désolée Armin, mais faut que j'y aille. Ok, à plus tard alors. Cette histoire est en train de me rendre dingue. Ah, Fanaiko, tu es rentrée? Ma mère s'est interrompue en me regardant. Je devais avoir une drôle de tête. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que tout va bien cette fois. Je sais que ce n'est pas le cas. C'est compliqué, maman, et ça concerne quelqu'un qui ne veut pas que j'en parle. Tu n'es pas obligée de me donner des noms. Raconte-moi juste ce qui se passe et je pourrais peut-être te conseiller. Eh bien, j'ai une amie qui a un ami qui a des problèmes. Hein? En gros, ça concerne quelqu'un que tu connais par l'intermédiaire d'une copine. Non, je ne le connais pas vraiment. C'est juste qu'il connaît quelqu'un que je connais et que ce quelqu'un m'a raconté les problèmes de cet autre quelqu'un. Je suis un peu perdue là. Moi aussi, j'ai lu mais j'ai rien compris. De toute façon, ce n'est pas la question. Ce qui importe, ce sont les problèmes de cette personne. Quel genre de problème? C'est assez grave. Le garçon en question est battu par son père. Mon amie a découvert ce qui se passait et elle a décidé de prévenir les services sociaux. Mais parfois, elle regrette. Son ami lui en veut énormément maintenant. Il ne voulait pas que ça se sache. Tu crois qu'elle a bien fait malgré tout? C'est effectivement un sujet délicat. Mais ton ami a bien fait, oui. Même si le garçon veut minimiser ce qui lui arrive, il sera sans doute reconnaissant une fois qu'il n'aura plus à subir les coups de son père. Mais ce n'est pas sûr que les services sociaux trouvent des preuves. Auquel cas j'aurais, enfin mon ami, je veux dire, aurait fait tout ça pour rien. Ce qu'elle a fait aura forcément des répercussions. Même si personne ne trouve des preuves, le garçon sera forcé de réfléchir à la situation puisque son ami s'est inquiété pour lui. Je pense que son geste finira par compter pour lui. Tu n'es pas d'accord?
J'en sais rien, moi. Je te rappelle que je sais pas de ce garçon. Je sais que ce que je sais de ce garçon et mon ami qui me l'a appris. Je vois. Eh bien, dis à ton ami que même si la vie est... que même si ce qu'elle vit est dur, elle peut au moins avoir la satisfaction d'avoir fait ce qui est juste. Ne rien dire alors qu'on sait que quelqu'un est victime de violence est un crime, tu sais. On appelle cela de la non-assistance à personne en danger. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Comme quoi, tu as bien fait de m'en parler finalement. Maman, et si le père en question se mettait en tête de venir s'expliquer avec mon ami? Il serait stupide de le faire. Avec les services sociaux qui le surveillent, ce serait bien une mauvaise idée. Tu dois avoir raison. Crois-moi, ton ami n'a pas de quoi avoir mauvaise conscience, au contraire. Ça m'a apaisé finalement d'en parler avec ma mère, même si elle ne sait pas à quel point je suis appliquée dans l'affaire. Je suis retournée plus sereinement au lycée le lendemain. Allez. À peine suis-je arrivée que Peggy m'a sauté dessus. T'as réussi à m'échapper pendant quelques jours, mais maintenant, je te tiens. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nathaniel et ses parents? Il n'est toujours pas revenu au lycée. Je pensais que tout finirait par se savoir, mais les choses vont un peu trop lentement à mon goût. Peggy, ce n'est pas à moi de parler de ça. Oh que si, personne ne courant par toi que je sache. Alors, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais chez eux? J'ai aidé Homme à faire ses devoirs, c'est tout. Le fait que ses parents aient été convoqués au lycée n'a rien à voir avec moi. Je ne te crois pas, la coïncidence est trop grosse. Et puis, tu as un don pour perturber la vie du lycée. J'étais juste venue vérifier que... Ça suffit, tu n'as aucun compte à lui rendre. Elle m'énerve, Peggy. Je vous jure, je vais prendre sa tête là et je vais la... Elle me saoule. Fanaiko était sur le point de me parler d'un sujet brûlant. Tu veux bien nous laisser? Elle me gonfle. Non, va voir ailleurs, Peggy. Et laisse-la tranquille, ou je te jure que la prochaine fois, je te ferai bouffer tous tes articles jusqu'au dernier. Ça va, pas la peine de monter sur tes grands chevaux. Tout ceci un jour, vous semblez l'avoir oublié toutes les deux. Excusez-moi. Ça va, pas la peine de monter ce nom. Ah, pardon, j'ai déjà lu. Peggy est partie, visiblement refroidie par la plombe rosa. Merci. Elle a tellement insisté que je crois que j'étais sur le point d'avouer toute l'histoire pour avoir la paix. Alors, tu vois que je suis là pour toi? Oui, c'est vrai. Et faire fuir Peggy, il faut reconnaître que c'est un sacré exploit. Question d'autorité naturelle. Je n'ai aucune nouvelle de Nathaniel. S'il doit en donner à quelqu'un, ce sera sûrement pas à moi. Dans ce cas, pourquoi ne pas demander à Ambre? Ambre se doute bien que j'ai joué un rôle dans tout ça. Jamais elle n'acceptera de me donner des infos. Déjà qu'en temps normal, elle n'aurait probablement pas fait. Je peux essayer de lui parler, moi. On n'a qu'à la chercher chacune de notre côté, mais si tu la trouves avant, préviens-moi avant de tenter quoi que ce soit. T'es d'accord? Ah, salut Alexis. Salut toi. J'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis une éternité. J'étais pas mal occupée ces derniers temps. Alors, c'est quoi ton excuse? Je suis plus ou moins impliquée dans la disparition de Nathaniel. Sérieux? Je me doutais bien qu'il se passait un truc, je croyais que tu ne voulais pas m'en parler. Pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus parce que c'est vraiment compliqué. Essaye quand même. Désolée Alexis, mais cette fois je préfère me taire. Ok, je comprends. Je te laisse, Rosalia et moi, on essaye de faire avancer les choses. T'es entre de bonnes mains, Rosalia est la reine des plans redoutables. Je suis bien d'accord. Bonne chance à vous deux alors. Merci. Le pauvre, on lui dit pas, mais on dit à Rosalia. Ça va, il l'a pas trop mal pris. C'est long pour chercher quelqu'un. Qu'est-ce que c'est long? Célie et Charlotte, quelque chose me dit que je vais me faire embarrer si je leur demande où se trouve Homme. Parle moins fort, si quelqu'un t'entend, Homme ne pourra pas le supporter. Pardon, je me suis cachée pour ne pas me faire repérer. Non mais quand même, avoue que c'est louche cette histoire. C'était les flics, Charlotte, je les ai vus. Peut-être qu'ils faisaient une enquête dans le voisinage. Dans ce cas-là, le père d'Homme a un temps suspect puisqu'il l'a embarqué. Sérieux? Trop bien! Moins fort, je t'ai dit. Mais ils lui ont carrément passé les menottes ou bien...
J'en sais rien, j'ai pas bien vu. En tout cas, un m'a envoyé promener en me disant qu'elle ne viendrait pas au lycée aujourd'hui. Je ferais bien de m'éclipser avant qu'elle ne me voie. Je crois que j'en ai assez entendu. On va chercher Rosa maintenant pour lui dire qu'elle est pas là. Et lui dire du coup ce qu'on a entendu. Enfin, faudrait la trouver maintenant. Je n'ai pas réussi à trouver un... C'est parce qu'elle n'est pas au lycée. Je viens de surprendre une conversation entre Lee et Charlotte. Lee a dit quand mais restée chez elle parce que la police est venue pour emmener son père. La police? Waouh, ça allait loin alors. Tu n'as pas fait tout ça pour rien. Je suis quand même très mal à l'aise. Tu imagines ce que doit ressentir toute la famille après ça? C'est horrible. Eh, je t'interdis de te torturer encore une fois. Le père de Nathaniel doit assumer les conséquences de ses actes. Je me sentirais quand même mieux si je savais comment va Nathaniel. J'aimerais retourner chez lui pour lui parler, mais j'ai trop peur d'y aller seule. J'aimerais y aller avec un des garçons. Je crois que je me sentirais plus rassurée. Il faut que je te laisse, Rosa. Merci pour ton aide. C'est normal, je dois y aller de toute manière. Ça fait bien trop longtemps que je n'ai pas vu Leg. Ah ouais? Il est parti quelque part? Mais non, voyons, il ne partirait pas sans moi. C'est juste que nous n'avons pas pu nous voir hier. Quelle longue séparation! Le seul garçon qui pourrait m'aider, c'est Lisande. Il est celui à qui je me suis confiée à propos de Nathaniel. Je dois le retrouver. Lisouchou! On a encore besoin de toi! On est tellement dépendante de lui. Oh my god! C'est lui là-bas. Lisande, j'aurais un service à te demander. Que se passe-t-il? J'ai appris que la police est venue emmener le père de Nathaniel ce matin. Alors ils ont bel et bien découvert quelque chose? Tu en doutais? Je doutais qu'ils trouvent des preuves suffisantes aussi vite. Au moins, Nathaniel est hors de danger désormais. Justement, à propos de lui, j'aimerais vraiment savoir comment il va. Je voudrais aller le voir chez lui. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. C'est moi qui ai déclenché tout ça. Je vais lui apporter mon soutien. Mais j'ai peur de retourner toute seule là-bas. Et tu voudrais que je t'y accompagne? S'il te plaît, je sais que tu en as déjà beaucoup fait, mais... C'est d'accord, je serai inconscient de te laisser y aller seule. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il ne pense quand même pas que Nathaniel est capable de me faire du mal. Nous sommes sortis du lycée, direction l'arrêt de bus. Bon, je vais encore devoir payer le bus. C'est parti pour aller chez Nathaniel. C'est ici? Oui. N'aie pas peur. C'est Lisande qui a sonné. De toute façon, maman tremblait tellement que j'aurais eu l'air ridicule de le faire moi-même. Vous, qu'est-ce que vous venez faire ici? Pouvons-nous parler à Nathaniel? C'est assez important. Mon fils et mon mari sont sortis. Ils ne seront pas de retour avant un moment. Peut-être que je pourrais les attendre. Inutile, vous n'êtes plus bien la bienvenue ici. Mademoiselle, vous n'êtes pas plus la bienvenue ici, mademoiselle. Partez avant que je prévienne la... Avant que je ne m'énerve. S'il vous plaît, dites-moi au moins comment il va. Ça fait des jours qu'il n'est pas venu au lycée. Il se porterait sans doute mieux si vous arrêtez de le harceler. Allez-vous-en maintenant. Oh, sa mère. Oh. Elle a refermé le portail d'un geste brusque. Cette femme n'est vraiment pas ouverte à la conversation. À la discussion. C'est peu de le dire. Ne t'en fais pas, Nathaniel sera bien obligé de revenir au lycée à un moment ou à un autre. Et si sa mère l'obligeait à rester chez lui pour se venger? Oh, mais tiens. Je connais qu'elle est assez friante, mais là, je pense que tu vas un peu loin. Tu dois avoir raison. Nous devrions rentrer. Nous ne pourrons plus rien faire ce soir. Nous avons fini par rentrer chez nous. Le lendemain, je suis revenue au lycée. Allez, ça passe vite les soirées là-bas. Je n'ai pas arrêté de penser à toute cette histoire. Autant dire que j'ai encore mal dormi. La police, le regard assassin de sa mère et Nathaniel lui-même qui ne donne pas de nouvelles. Ça commence à faire beaucoup. Je m'apprêtais à passer une nouvelle journée dans le doute. Fanaiko! Salut Rosa! Devine quoi, Nathaniel est de retour au lycée. Ah ouais? Ouais, j'ai voulu lui parler, mais cette fouine de Peggy était déjà en train de se l'accaparer. Ça ne fait rien, j'imagine que j'aurai le temps de lui parler dans la journée. Ne te laisse pas marcher sur les pieds, surtout. Here we go! On s'en doute. Nathaniel! Ah, j'ai pas été voir en salle des délégués. Ça aurait peut-être été plus logique. Apparemment pas. Nathaniel m'a complètement ignoré tout à l'heure. Est-ce que tu sais où il est? Non, il est parti quand j'ai commencé à lui parler. Grand bien te fasse. On va bien le trouver quelque part.
On va bien le trouver quelque part. Mon Dieu. Si c'est pour être aussi désagréable, il avait qu'à parvenir. Tu parles de Nathaniel? Ouais, je devais lui donner un mot d'absence, il m'a carrément envoyé bouler. Je sais pas c'est quoi son problème, mais y a pas intérêt que ça dure. Oh, Kim. T'as vu, Nathaniel est revenu au lycée. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Par contre, je ne conseille pas d'aller lui parler. Il a l'air de très mauvaise humeur. À les entendre, on dirait que Nathaniel s'est transformé en monstre. Et il doit être bien vénère quand même, hein, meuf. Je me disais aussi que c'était étonnant que tu sois pas venu me voir. T'as fini par comprendre que c'est parce que je tiens à toi? Tu n'as pas le droit de dire ça. Pas après m'avoir trahi. Oh, on est à 89, on est à 89, on est passé à 64. Comment tu peux dire ça? Je sais que tu traverses des moments très difficiles, mais c'est un mal pour un bien. Stop, tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. La police est venue chez moi, Fanaiko. La police! Ils ont emmené mon père, ils m'ont posé des questions. J'ai cru que mon père allait avoir une attaque. Alors, tu leur as tout avoué? Bien sûr que non! Je ne veux pas que mon propre père aille en prison. Mais Nathaniel, tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ton père va continuer à te maltraiter. Peut-être que toute cette histoire va le faire réfléchir. Dans ce cas, je n'aurais jamais regretté d'avoir pris cette décision. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, hein? Ma famille paye le prix fort dans cette histoire. Ma mère et ma sœur se sont retrouvées seules. Elles sont complètement déboussolées. Mon père a toujours pris soin d'elles, de la maison, de tout. Elles ne comprennent pas. Et si jamais tout ça s'apprend, mon père perdra son travail. Alors fais en sorte que tout ça n'ait pas servi à rien. Parle à ton père. Il comprendra peut-être qu'il a mal agi. C'est ce que je comptais faire, figure-toi. Mon père revient à la maison ce soir. Mais même si les choses s'améliorent entre lui et moi, sache que je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Tu es allé trop loin cette fois. Nathaniel! Il est sorti de la pièce, furieux. Oh, mais lui aussi, il voit pas plus loin que le bout de son nez. Oui, enfin, Nathaniel, on va pas chercher Milan non plus. Alors, tu lui as parlé? Ouais. Et? Tout ce bazar n'a servi à rien. Nathaniel n'a rien dit à la police et il ne veut pas que son père ait de problème. Mais quel idiot! Il préfère souffrir plutôt que de causer du tort à son père! Moi, je trouve ça courageux d'un côté. Il pense protéger sa mère et sa sœur. J'ai l'impression qu'il a peur qu'elle soit perdue sans son père. Courageux mais stupide. Ce qu'il subit est inacceptable. Je ne comprends pas je ne comprends pas qu'il cherche à se rebeller un minimum. Qu'il ne cherche pas. Il m'a dit qu'il parlerait à son père ce soir. C'est déjà ça. Espérons que ça portera ses fruits. Oh, j'ai envie de rentrer et de passer au lendemain pour savoir quoi. Le lendemain, j'ai... Ah bah voilà. Le lendemain, j'avais hâte de savoir si la situation de Nathaniel avait évolué. En même temps, j'avais un peu peur de retourner lui parler. C'est affreux! Quoi donc? Je viens de voir Nathaniel. Je crois qu'il lui arrivait quelque chose. Où est-il? Il est parti en direction du deuxième couloir. Quel deuxième couloir? Où est-ce qu'il est? Il est là, mais... Ah, c'est sûr que lui avoir parlé, ça a tout arrangé. Mon Dieu! Tellement arrangé qu'il s'est bien arrangé la figure. Il est là, mais... Mon Dieu, Nathaniel, mais qu'est-ce que... C'est un coquard? J'ai essayé de lui parler. Nous avons entendu des bruits de pas venant de la cave. Nathaniel s'est interrompu instantanément. Si vous pouvez faire moins de bruit, il y en a qui aimeraient fumer leur clope tranquille. Tiens, c'est bizarre, je me rappelle pas t'avoir foutu une raclée. Castiel, pas maintenant. Laisse tomber, Fanaiko. Nathaniel est parti. Je crois qu'il a pas aimé que Castiel l'ait vu dans cet état. Ça y est, je sens les larmes monter. Cette fois, il pourra pas me dire de le laisser tranquille. Je sais que je me suis trop impliquée déjà, mais je dois le soutenir. Nathaniel, ramène ton cul. Il est où? Nathaniel! Ducté! Ah là là. Au final, cet épisode durera quasi une heure. Heureusement que j'ai fait une trentaine de minutes dans l'autre partie, mon Dieu. Nathaniel, je t'en prie, parle-moi. J'ai tenté d'essuyer mes larmes pour qu'il ne voie pas, mais je crois que ça n'a rien servi. Il n'y a rien à dire, Fanaiko. J'ai parlé à mon père pour lui faire prendre conscience qu'il allait trop loin avec moi. Au moins, Nathaniel a fini par réaliser lui-même que sa situation n'était pas normale. Mais ça n'a pas marché. Tout s'est très vite envenimé et voilà le résultat. Je peux te dire un truc? Bon sang, mais qu'est-ce qui te prend de nous suivre?
Je veux pas faire ma Peggy, mais vu ce que t'as sur la tronche et la conversation que tu viens d'avoir avec Fanaiko, j'ai pas pu m'empêcher de tirer des conclusions. Je ne vois pas en quoi ça te concerne. Faut qu'on parle, mec. Et j'ai pas envie d'en parler avec... Et si j'ai pas envie d'en parler avec toi, t'as pas le choix. Il est temps que quelqu'un te sorte de ton merdier. Nathaniel a fini par accepter de parler avec Castiel. Ils sont sortis de la salle et je n'ai pas essayé de les suivre. Je crois qu'il vaut mieux qu'ils restent entre eux. Je vais aller expliquer la situation à Rosa. Elle risque de ne pas apprécier d'être tenue à l'écart. Quelqu'un a frappé Nathaniel au visage? Je crois que c'est un rapport avec Castiel. Ils se sont isolés tous les deux depuis un moment. Ne crois pas ça, Castiel a un bon fond. Bon sang, elle surveille Nathaniel comme Ant surveille Castiel. On voit bien que tu les connais, que tu ne les connais pas tous les deux. Melody, elle a l'air différente en ce moment. Ah, elle me gonfle, cette meuf aussi, là. Oh! Mieux vaut ne pas traîner ici. La directrice a l'air furieuse. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas exactement, mais je préfère rester en dehors de ça. Ok. Inadmissible. Depuis le début de ma carrière, je n'ai jamais vu aucun élève se comporter de la sorte. Mais madame, ce n'est pas ce que vous pensez. J'étais juste... Juste quoi? Assoupie sous le canapé des professeurs? Je ne tolérerai pas cet écart, mademoiselle Peggy. Vous serez collée pendant 3 heures. Elle a peut-être voulu écouter ce qui se disait sur Nathaniel. Comme quoi la chance finit toujours par tourner. Même pour Peggy. Bah franchement, bien fait pour sa gueule, quoi. Qu'est-ce que tu as à sourire dans ton coin? C'est Peggy. Elle vient de se faire coller par la directrice. Il paraît qu'elle a été carrément cachée. Qu'elle était carrément cachée sous le canapé de la salle des professeurs. Waouh, elle va de plus en plus loin pour trouver des scoops. Tu m'étonnes, je pense qu'elle devait chercher des infos sur l'œil au beurre noir de Nathaniel. Et toi, t'as pu parler à Nathaniel de ton côté? Ouais, Castiel est intervenu. Il a laissé entendre qu'il avait une solution pour lui. Ah bah, tout arrive. Si Castiel se met à aider Nathaniel, bientôt Armin se mettra au jardinage. Du coup, je les ai laissés tous les deux. Après ce que le père de Nathaniel a fait, j'espère vraiment que Castiel fasse des miracles. Croisons les doigts. Je sais que je devrais me tenir un peu à l'écart, mais je veux savoir ce que Castiel a dit à Nathaniel. Mais je n'ai jamais rien vu, je comprends pas. Je pense qu'au fond, il savait que ce qu'il faisait n'était pas acceptable. Il ne voulait sans doute pas que toi et maman voyiez ça. Je voudrais que les choses redeviennent comme avant. Fais un effort, tu dis ça parce que pour toi tout allait bien, mais de mon côté, c'est loin d'être le cas. Au moins maintenant, je tiens peut-être une chance de faire évoluer les choses. C'est la meilleure solution. Ils ont parlé encore un petit moment, je suis restée silencieuse, essayant de comprendre quels étaient les plans de Nathaniel. Oui, d'accord. On se voit plus tard. Hein. Je ferais mieux de m'éclipser avant que l'un des deux s'aperçoive que je suis là. On est censé du coup trouver Castiel. Alors, vous avez pu trouver une solution? Ouais, ça a pas l'air d'aller toi par contre. Pas vraiment, je crois que Nathaniel va m'en vouloir un moment pour toute cette histoire. Il y a un truc que je puisse pas, pourquoi elle t'en voudrait? C'est quand même pas de ta faute si son père le frappait. Bien sûr que non, mais c'est moi qui ai prévenu les services sociaux. C'est pour ça que j'avais convaincu Anne de m'inviter à dormir chez eux. J'avais des soupçons. T'as dû ramer pour qu'elle accepte ça. Pas tant que ça, je lui ai juste donné une trousse à maquillage. Je n'ai pas vraiment envie de lui parler du vrai deal. Pathétique. À la base, elle avait prévu autre chose. C'est-à-dire, elle voulait que j'accepte de ne plus t'approcher. Et t'as refusé? Évidemment, que viendrait faire la trousse à maquillage dans l'histoire autrement? Quel exploit, t'es prête à tout pour pas te séparer de moi. Tu rêves, mon vieux. Alors, pourquoi tu rougis? Je ne rougis pas. Maintenant, si. On pourrait parler d'autre chose que la couleur de mes joues. Il va se passer quoi pour Nathaniel? Ce n'est pas à moi de te parler de ça. Ne traîne pas dans ses pattes pour le moment. Quand ce débile voudra te dire, il le fera. Tu plaisantes, j'ai bien le droit de savoir. Moi aussi je suis impliquée dans l'histoire. Enfin en quelque sorte. Tout ce que je peux te dire c'est que si ça fonctionne, ton délégué adoré sera peinard. Une bonne fois pour toutes. Tu ne vas quand même pas lui faire faire un truc illégal? C'est la seule chose à faire. Quoi? Détends-toi, je plaisante. Bon, faut que j'y aille maintenant. Je peux non plus passer ma journée là-dessus. Merci en tout cas d'avoir mis ta rancœur de côté pour l'aider. Un jour peut-être tu comprendras que je ne suis pas forcément le pire des deux. Durant les jours qui ont suivi, Nathaniel s'est de nouveau absenté du lycée. J'imagine que ça va lui prendre un moment avant de régler ses problèmes. Salut. Elle est partie en évitant mon regard et sans même me bousculer. Visiblement, elle ne s'est pas remise de la décision de son frère.
Le seul avantage avec tout ça, c'est qu'on me semble avoir complètement oublié que j'étais censée devenir son esclave. Je suppose qu'il faut chercher Lysandre du coup. Mais alors, où est-ce qu'il est? On n'a vraiment pas l'air bien depuis qu'elle a découvert ce qui arrivait à son frère. Je te fais pas dire. On vient de se croiser, elle ne m'a pas adressé la parole. Au moins, elle ne te considère plus comme son souffre-douleur. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je préférais ce qui se passait avant. Au moins, je n'avais pas l'impression d'avoir brisé leur famille. Ah non, hein, tu vas pas recommencer. La prochaine fois que tu culpabilises devant moi, je te pince. Quoi? Et je ne plaisante pas. Cette meuf, je vous jure, cette meuf. Par contre, la fin de l'épisode, elle est bien longue, là. Moi, j'aimerais bien trouver Lysandre. Comment ça, t'as jamais vu Star Wars? Et même pas la série animée? Non plus. T'as vraiment aucune culture SF, science-fiction. Mais non, je n'aime pas trop ça, tu sais. Hermine, je crois que Iris se sent légèrement agressée, là. C'est plutôt moi qui devrais me sentir agressée, tu te rends compte? Elle sait même pas les raisons de la guerre des clones. On peut toujours essayer de lui expliquer. À toi l'honneur, moi j'abandonne. Et puis quoi encore? C'est toi qui as commencé. Qui plus est avec un sujet des plus délicats. Te défiler, tu ne devrais pas. Je suis une mauvaise apprentie, Dark Hermine. Je crois que je vais vous laisser. Non, reste, il va tout apprendre. J'ai poussé Iris vers Hermine et je suis partie. On va bien trouver Lysandre, un jour peut-être. Lysandre! Ouais! Bonjour. J'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis un moment. Il me semble que tu as été très occupée depuis que nous nous sommes rendus chez Nathaniel. Oui, j'aurais peut-être dû te tenir au courant de ce qui se passait, je suis désolée. Je ne t'en veux pas, au contraire. C'est tout à ton honneur de ne pas colporter tout et n'importe quoi. Certains élèves de ce lycée feraient bien de suivre ton exemple. Castiel t'a dit qu'il a trouvé une solution finalement? Tu crois vraiment qu'il se serait vanté d'avoir aidé Nathaniel? Non, t'as raison, c'était une question idiote. Cependant, j'ai remarqué qu'ils avaient parlé tous les deux. Et comme je n'étais pas loin, j'ai déduit que Castiel avait pu lui apporter son soutien d'une manière ou d'une autre. Il est très sympa, dis donc, hein. C'est parce que tu connais bien Castiel. C'est-à-dire, tu savais qu'il n'aurait jamais laissé personne dans ce genre de situation alors qu'il a trouvé une solution pour l'aider. Pas même Nathaniel. C'est exact. T'as pas t'imaginer que je suis un de bisounours non plus. Quoi? Tu m'as compris. Je suis pas sûre de le suivre là. What? Les jours ont passé, mais Nathaniel ne semblait pas décidé à revenir. On m'avait fait savoir à ses amis qu'il ne devait pas tarder à reprendre les cours et la nouvelle s'est répandue. Fanaiko? Oui. Il va vraiment falloir que j'arrête de me perdre dans mes pensées comme ça. Il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Le thème de la maltraitance ici, abordé dans le cadre d'une fiction, cela reste un thème réel, grave et important. Si vous souffrez ou connaissez quelqu'un qui souffre de maltraitance, n'hésitez pas à demander de l'aide en contactant le 119, numéro d'aide de l'enfance. Au moins c'est bien, c'est vrai qu'ils font des petites apartés, qu'ils parlent de ça et ça, c'est cool. Terminé l'épisode du coup. Oh, j'ai perdu 1000 PA quasiment, mon dieu. Et du coup, nous avons terminé l'épisode 23. Je suis contente, j'en pouvais plus. Et enfin, cette histoire s'est arrangée. Oh, on a eu tellement de merde à la suite. Bon, il y a eu des trucs bien, vous voyez, mais... Boule de poils. Oh, ça veut dire qu'on va aller à l'animalerie. Ça c'est cool. Attendez, je veux juste 350 PA. Ça rembourse pas tout l'épisode, mais c'est cool. Enfin bref, j'espère que l'épisode vous aura plu. Moi, j'ai grave kiffé. L'illustration est très jolie. Hein. Nous l'avons eu à la partie précédente qui est juste ici. Nous avons eu cette illustration-là et celle-ci. On se laisse donc dans celle-ci, sur celle-ci, pardon. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Déjà, il fait se rendre compte que si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, ainsi de suite... Il y a des solutions pour aider la personne. Certes, c'est peut-être énorme, ça va peut-être vous prendre un coup sur votre communication entre vous. Enfin bref, vous avez compris. Mais franchement, je trouve que cet aparté sur la maltraitance est très bien faite. Il n'y a pas d'étape qui est trop sautée, qui est mal expliquée, etc. Je trouve que franchement, ça s'est bien fait. Et franchement, soyez grave accompagnés, surtout dans Lysandre, c'est magnifique. Enfin bref, j'espère que l'épisode vous aura plu. Moi j'ai kiffé. J'ai mis Lysandre dans CDC aussi, donc je suis contente.
On se retrouve donc pour l'épisode 24. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.